de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Djoléo. Nous débutons cette édition à la présidence où le cabinet du président de la RDC porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Félix Antoine Tshisekedi a eu un entretien téléphonique avec Sa Majesté Philippe II, roi de Belge, en raison de circonstances sanitaires tant en RDC qu'en Belgique et de restrictions liées à cette situation. Il a été décidé d'un commun accord de report le voyage, de reporter le voyage du roi à Kinshasa dans le cadre de célébration des 60 ans d'indépendance. Toutefois, le programme de manifestation relative au rapatriement et à l'inhumation de reliques du héros national Patrice Emery Lumumba est maintenu. Le président de la RDC se rendra en Belgique pour récupérer personnellement le relique du héros national en vue d'un enterrement dans sa terre natale. Quittant Kinshasa pour le Nord Kivu, où après sa conférence de presse lundi 7 juin, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé par avion à Bukavu, au sud Kivu, où il a été accueilli chaleureusement par la population sur place à Bukavu. Le chef du gouvernement a visité les sites de déplacés des Haïdi Kivu, où vivent de nombreuses familles sinistrées des effets de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma. Il leur a apporté aussi le message de réconfort et de soutien du chef de l'État, qui est de trouver des solutions à leurs problèmes en cette période de crise post-éruption volcanique. Suivez le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le message de la chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Aïsema, Premier ministre Mina Penda Wende, Fite Nord-Kivu, Fite Goma, Wende Okangari Mambo, l'éruption volcanique à Nirango. Après les Mirifika, Mina Selma, Itachimami à Goma, Pan. Mais nous, on a mis qu'on a un bien mené. Apa mina toki a Nirango. La ministema italuri a pasu ko kufika sake. Nikuye nione mateso yenu. A message à chef de l'État. Nikusema pole. Pole tena. Pole. Vitu mingi. Tulipotesha manyumba yenu. Na bengine balifariki. Juu ya ile tunasema pole. Kisha tunasema ile Mungu nayo besoin. La kwanza, ni sécurité. Ni amani. On a trouvé qu'un état de siège.
Nous avons voulu être en afin de soutenir le processus en Mani. Nous Mani, nous allons le développement pour Moukini. Ça permettre à papa et à maman de faire des bouquins. Ça permet permettre à Toto de fonder ma somme. Na ya pili hapa mko hapo mko besoin ya chakula kulikuwa na chakula ndio mambo ya pili atakuwa organize vipi hapa sasa. Beaucoup besoin à Matawa. Oui. Je peux organiser Matawa ici qui est à Pastaki. Oui. Niamoye, Kupata Namna, Yakuria, Kwenu, Akudenga, Manumba, Yenu. Revenons à Kinshasa où sur le 335 députés présents à la plénière de ce lundi 7 juin, 337 ont accordé un vote favorable aux sept projets de loi autorisant la ratification des accords de prêt avec de bailleurs de fonds multilatéraux par la mise en économique d'une valeur globale de 404 646 000 $ américains est un projet libellé en unité de compte de la Banque africaine de développement. Toujours à Kinshasa, le nouveau secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Billy Kambale, a pris officiellement ses fonctions le lundi 7 juin 2021. C'était au cours d'une cérémonie de remise aux reprises. Prenant la parole, Billy Kambale a remercié son leader Vital Kamerhe pour le choix porté en sa modeste personne. Le nouveau secrétaire général de l'UNC a promis de travailler pour l'intérêt du parti et d'être le plus petit de tous afin de recevoir les conseils de chacun pour contre. Par contre, il dénonce les insultes proférées à l'endroit de leur chef et sa femme Amida Chatur, ainsi que sa famille biologique par certains militants dits des combattants ou parlementaires de l'UDPS. Quittant Kinshasa, rendons-nous au Nord Kivu où deux pêcheurs congolais sont morts lundi 7 juin 2021 dans la journée après avoir été attaqués par un hippopotame près de la localité lacustre de Niavinyonge sur la côte ouest du lac Édouard en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Les comités de pêcheurs de Niavinyonge rapportent que la pirogue au bord de laquelle Mumbere Inkincheche s'est trouvée a été renversée par la bête alors que ces dernières étaient à seulement 500 mètres de la rive. Toujours aux provinces, deux hommes armés assimilés aux combattants ADEF ont attaqué ce lundi 7 juin 2021 la localité de Boga, dont la chefferie des Baémé Boga en territoire de Rumu, province d'Elitour. Et cette attaque a été repoussée par des éléments de FARDC du Congo. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de l'armée en Ituri, confirme la nouvelle et indique que l'hélicoptère de l'armée a été ont été également mises en contribution pour chasser en dehors de ce pays. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement à Léon Julio.